Et je suis aujourd'hui à l'ADAGEAP de Costa-Rus dans le cadre de mes études pour pouvoir promouvoir la santé bucco-dentaire au niveau des populations polyhandicapées, ici plus particulièrement chez les enfants et chez les adolescents. En effet, on vient voir comment ils brossent les dents, quel est leur matériel utilisé, la brosse à dents manuelle, brosse à dents électrique. Ça a été au début une appréhension, on avait plutôt peur, parce que les jeunes accueillis sont des enfants et des adolescents polyhandicapés, donc une appréhension avec l'outil, c'est quand même assez gros, ça fait des vibrations, donc on avait peur qu'ils ne l'acceptent pas ou qu'ils le croquent et du coup qu'ils gardent la partie haute en bouche. Et agréable surprise, ça s'est plutôt bien passé pour chacun.